Bienvenue sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui on parle d'actualité horlogère. On attaque cette actualité horlogère avec une marque que j'apprécie énormément, peut-être celle que j'apprécie le plus en horlogerie. Roger Dubuis qui a annoncé sa Orbis in Machina monotourbillon au Watch & Wonders à Shanghai. C'est une montre très très sympa qui ressemblait un peu à une autre montre qu'ils avaient pu lancer dans le passé. Ils ont deux systèmes en attente de brevet, c'est ça que j'aime beaucoup aussi avec la maison Roger Dubuis, c'est qu'ils repoussent toujours l'industrie horlogère avec des innovations. Ils ont des designs très atypiques, ils ont également beaucoup d'éditions limitées, c'est quasiment que des éditions limitées. D'ailleurs celle-ci est édition limitée à seul 8 pièces. Concernant justement les brevets, on en a deux. On a le système planétaire pour un design compact et épuré et un embrayage à friction pour pouvoir avoir un réglage des aiguilles un petit peu plus fluide et plus précis. Comme on l'a pu l'entendre dans l'appellation de cette fabuleuse montre, on retrouve au centre de la montre un monotourbillon qui est une complication horlogère assez haut de gamme, même très haut de gamme, qui est plutôt rare en horlogerie, donc une belle prouesse pour Roger Dubuis. Au niveau du design, ils sont allés très très loin avec un design très circulaire. On retrouve du coup plusieurs formes rondes sur ce design. On a également pour la touche un petit peu haut de gamme des diamants et rubis qui sont sertis directement sur la montre. Donc niveau design, c'est aussi pour ça que j'apprécie cette maison. Ils repoussent vraiment les choses. C'est aussi des montres de designer. Donc personnellement, j'apprécie beaucoup cette nouvelle montre. Concernant le boîtier de cette fabuleuse montre, on retrouve de l'or 18 carats avec 132 pierres précieuses, rien que ça, et également un fond saphir qui permet justement de voir le fabuleux mécanisme de cette montre. Personnellement, j'accorde une grosse importance aux montres qui ont des fonds saphir. Personnellement, pour la marque que j'ai créée, Maison Morphin, l'intégralité des collections ont un verre saphir à l'arrière qui permet de contempler la masse oscillante, les décorations, quand il y en a du mécanisme, donc ça c'est très très cool. Cette montre est récompensée du poinçon de Genève, donc c'est une haute distinction en horlogerie qui récompense les manufactures qui vont faire des belles décorations et qui vont repousser un petit peu les limites en horlogerie, donc c'est très très intéressant, ça garantit donc une finition à la main et une qualité exceptionnelle pour cette fabuleuse pièce Roger Dubuis. On redescend un petit peu en gamme, mais pour autant on a une montre très intéressante, la Rado, la Captain Cook High Tech Ceramic Skeleton. Cette montre est donc créée par la manufacture Rado, c'est une montre squelette en céramique, mais il y a également quelques parties qui sont en acier inoxydable. Concernant par exemple cette montre, ça va être la lunette ainsi que la couronne, et on va avoir un revêtement PVD en or rose et également un verre saphir pour protéger ce beau calibre et ce beau squelettage qui est traité lui anti-reflet. Au niveau du calibre, on est évidemment sur un calibre automatique, le calibre 808, avec plus de 80 heures de réserve de marche, donc ça c'est vraiment très intéressant, on est très confortable là-dessus, on pourra largement passer le week-end, poser sa montre le vendredi soir et la récupérer le lundi sans souci, toujours en marge, donc ça c'est un bon point pour la manufacture Rado et ce nouveau modèle squelette. Cette montre est faite principalement de céramique. Pour rappel, la céramique est imrayable, c'est un matériau assez haut de gamme, plutôt intéressant en horlogerie, assez léger. On l'a eu utilisé par exemple pour certains modèles de la marque Maison Morphin que j'ai pu créer. Donc c'est un matériau qui est plutôt intéressant, voilà, pour la longévité de la montre. C'est toujours intéressant d'avoir une montre qui ne se raye pas, qui ne s'use pas. C'est aussi pour ça qu'on choisit le verre saphir, parce qu'on sait déjà qu'au niveau du verre, il n'y aura pas de souci au niveau rayure. Donc ça, c'est intéressant. On est sur une étanchéité qui est à 300 mètres. Donc c'est vraiment une grosse étanchéité. On pourra largement se baigner, plonger avec. On pourra également ouvrir le robinet, la nettoyer considérablement comme on veut, sans se soucier de la pression du robinet sur le verre. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc 300 mètres, c'est très confortable. Il y a également du Super Luminova pour avoir une belle luminosité en basse lumière, à savoir que le Luminova, il y a une vingtaine, trentaine de références qui va fluctuer en termes de gamme et de qualité, de longévité et de luminescence. Là, j'ai pas trouvé personnellement quel Luminova ils ont utilisé, mais en tout cas, il y en a. C'est plutôt intéressant, c'est toujours cool d'avoir dans la nuit. Pour moi, c'est vraiment un must-have sur ce type de montre-là. Sur des montres vintage, on n'en trouverait pas forcément, mais sur des montres comme ça, un petit peu squelette, un peu plus imposante, je trouve que c'est quand même super important d'avoir du Luminova. On est sur un mouvement squelette, visible du coup à travers un fond saphir. Donc à l'arrière également, on va pouvoir voir la masse oscillante. On a un fond saphir toujours intéressant. C'est dommage de cacher ce type de calibre-là. C'est bien de pouvoir le voir sur l'avant, de voir les roues à l'avant, le ressort de barillet, le cœur battant. C'est toujours bien aussi de voir l'arrière, il y a toujours des petits organes intéressants. Puis ça raconte toujours une petite histoire, on enlève la montre en soirée, on peut montrer l'arrière, c'est toujours cool. Les dimensions, par contre, on est sur une montre assez conséquente. On est sur 43 mm par 49,8 par 14,6, autant pour moi, j'allais dire 9. Donc on est quasiment sur 15 mm d'épaisseur. Donc pour moi, ça reste quand même une montre assez épaisse. Aujourd'hui, nous, par exemple, pour les squelettes qu'on propose, on est entre 11,5
et 12,5 pour les nouveaux modèles qui vont arriver en fin d'année. Au niveau du mouvement, donc c'est le calibre R808, c'est un calibre manufacture avec 25 rubis, 3 aiguilles, donc on aura la trotteuse, les minutes et les secondes, pas de complications à ce niveau-là. Une spirale en Nivacron à magnétique, testée avec 5 positions pour une meilleure précision. Donc plutôt intéressante. Elle me fait penser à la MM2301 que l'on avait lancée dans le passé, qui avait de la céramique également, avec les mêmes rappels dorés que nous on avait pu faire dans le passé sur la MM2301. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il ne reste plus qu'une en stock pour ceux que ça intéresse. C'est une édition limitée chez nous à 50 pièces, il y a de la céramique aussi. Et en termes de tarification, on est quand même moins onéreux que chez Rado. On est sur 1190€. Mais voilà, c'est vrai que ça m'avait fait sourire de loin quand je l'ai vu apparaître dans mon fil d'actualité. Je me suis dit, oh, bon, j'avais l'impression que c'était un petit peu celle que j'avais pu créer dans le passé, mais pas du tout. Au niveau du prix de vente, ça vous intéresse peut-être, on est sur une montre affichée à 4550€ et déjà disponible sur le site de Rado. J'en profite pour cette actualité horlogère de parler également des actualités de ma marque Maison Morphin. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une actualité, l'arrivée en précommande de la MM24-07. J'ai essayé dans cette actualité de montrer des montres un petit peu différentes. On a eu de la très haute horlogerie, on a eu des montres squelettes. Là, on part sur une montre un peu minimaliste. On a énormément travaillé le design avec mon designer Benoît en interne. C'est une montre qui est inspirée pour la petite histoire d'une pendule comtoise de ma famille et qui reprend un peu les codes du vintage. Donc, on est sur une montre qui est unisexe, donc qui a au poignet de monsieur, mais également de madame en 36 mm. On a un vert saphir bombé traité anti-reflet, un fond saphir également, et on l'a équipé du dernier mécanisme qui vient tout juste sortir de chez STP, c'est le STP1-21M. C'est un remontage manuel. L'idée, c'était aussi d'avoir une interaction avec la montre et de faire un petit clin d'œil aux montres d'époque, donc d'avoir un remontage manuel. C'est la première qui arrive en remontage manuel chez Maison Morphin, puisque c'est aussi l'opportunité maintenant, puisqu'ils l'ont rajouté au catalogue chez STP, d'utiliser ce nouveau mécanisme qui est tout juste sorti de leur atelier en Suisse. On est sur 100 mètres d'étanchéité, pareil, ça c'est un peu du jamais vu entre grands guillemets, mais c'est vrai que sur des montres aujourd'hui un peu plus casual, chic, etc., on est plus sur du 30 mètres ou voire 50 mètres maximum. Là, on est quand même arrivé à pousser sur du 100 mètres d'étanchéité avec couronne vissée, donc toujours intéressant. On a travaillé 2 étages au niveau du calibre, enfin au niveau du cadran, autant pour moi. Le centre du cadran est un cadran soleillé, un peu plus bas que les flancs externes où il y a des chiffres romains qui sont apposés, qui du coup est un peu plus haut. On a fait un chanfrein avec un traitement brillant, poli, pour justement marquer la séparation d'étages. Travailler également les reflets, on a essayé vraiment de faire le plus avec le moins. L'idée, c'était pas de surcharger le design, mais d'avoir beaucoup de subtilité dans ce dernier. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur 2 étages, 2 textures également. On est sur une montre qui fait 6,5 mm, très très fine, puisque là, le mouvement est dépourvu de masse oscillante. Donc on a un mouvement déjà de base qui est plus fin, et puis on a vraiment travaillé la finesse. On a vraiment tout optimisé en interne avec plusieurs échantillons, travail à l'échelle quand on a fait les designs, etc. On a un verre bombé du coup qui va un petit peu épaissir évidemment l'épaisseur de la montre. On est sur majoritairement un acier satiné pour travailler vraiment toujours les reflets. On satine toujours de manière verticale pour travailler les reflets globaux sur la montre. On a un chanfrein sur la corne qui se poursuit le long du boîtier, qui va également faire le tour du boîtier et repartir sur le dessous. Enfin bref, on a vraiment travaillé la chose. On a eu aussi une texture un petit peu sablée pour l'arrière, pour les inscriptions. On s'est pas contenté d'une gravure laser. On a essayé un petit peu de décorer également l'arrière de la montre. On travaille avec une manufacture aujourd'hui italienne pour les bracelets. Donc on a des bracelets cuir de qualité qui sont cousus à la main en Italie. On peut avoir du crocodile ou du veau. Donc ça, c'est toujours intéressant, avec un entrecorne de 18 mm. Ça reste vraiment une montre qui va très bien en costume. Vous le voyez depuis tout à l'heure, de toute façon, je l'ai au poignet. C'est le premier échantillon. Il n'y a que 100 exemplaires et on a revu également le packaging. À l'époque, on avait un coffret comme celui-ci. Là, on a revu entièrement le coffret. On a revu l'écran global, on a revu le carton d'expédition. On a tout revu pour que tout soit qualitatif du début jusqu'à la fin, des matériaux jusqu'à l'expérience, le carton de remerciement. Enfin bref, elle est disponible à un tarif de 1150€. Déjà en précommande sur le site internet, d'ici un mois et demi logiquement elle sera en stock, donc courant octobre, novembre. S'il n'y a pas de retard, normalement on croise les doigts, il ne devrait pas y avoir de retard. C'est une montre qui est assemblée à Besançon, donc on promouvoit aussi l'artisanat français, designé ici par un designer local. Donc on fait le maximum aujourd'hui en France. Voilà pour l'actualité pour la MM2407. Si jamais vous voulez venir en showroom, elle est également disponible et visible là-bas si vous voulez la précommander et la voir avant justement de l'acheter.
Donc n'hésitez pas au 39 Grande Rue à Tournon-sur-Rhône, au showroom ou sur maisonmorphin.com. On passe sur une maison horlogère plutôt connue, Audemars Piguet, avec un nouveau modèle squelette, la Royal Oak double balancier squelette. Personnellement, c'est aussi une montre que j'aimais beaucoup, leur ancienne version qu'ils avaient fait en céramique noire. Et là, du coup, ils en ont su dans 37 mm, disponible en or rose, mais également en or gris, 18 carats pour la petite information. Au niveau du calibre, on est sur un calibre automatique, donc il va se remonter à la force du poignet, c'est le 31-32, avec un système de double balancier qui est d'ailleurs breveté. Ce qui est intéressant, c'est que sur le réo, ils sont venus mettre une petite touche de couleur et en fonction de si on choisit l'or gris ou l'or rose, on va avoir une couleur de réo qui va fluctuer. En l'occurrence, si on part justement sur de l'or gris, on aura un réo qui sera bleu et si on part sur de l'or rose, on aura un réo qui est violet. C'est vrai que moi, tous les modèles qu'on design en interne ici, on met un réo quasiment tout le temps, mis à part sur la vintage que j'ai ici parce qu'on a vraiment travaillé la finesse, donc le réo allait épaissir la montre, mais c'est toujours intéressant, ça évite de voir l'intérieur du boîtier. Je trouve que ça fait un petit peu mieux fini. Là, en l'occurrence, ils en ont mis un avec les inscriptions, la graduation classique pour les secondes. Donc plutôt intéressant. On a une finition satinée et polie. J'adore personnellement le satinage chez Audemars Piguet. Il est vraiment très atypique. D'ailleurs, pour la petite information, étant donné que j'ai ma marque et que je travaille toute la journée avec des ateliers, etc., pour le satinage et avoir un résultat X ou Y, on va utiliser un grain différent. Ça peut être du grain de 120, de 280, de 300. Et ce grain-là va avoir une incidence sur le résultat global. Donc nous, on utilise un grain très précis. Et ce grain-là, justement, on va pouvoir le réutiliser quand on vient supprimer une rayure sur un boîtier. On a par exemple ici une MM24-04. On a un satinage vertical. Nous, c'est un grain de 280. Donc si par exemple demain ce modèle-là vient être rayé, on peut resatiner avec le grain de 280 et on va avoir du coup le résultat usine. Donc c'est toujours intéressant de le savoir, par exemple si demain vous venez à rayer votre montre, que vous ne passez pas forcément par la manufacture chez laquelle vous l'avez acheté, de l'indiquer à votre horloger local que c'est un grain X ou Y pour pouvoir resatiner et gommer justement les rayures sur les boîtiers. Donc eux, je ne connais pas le grain exact qu'ils utilisent, mais en tout cas le résultat est vraiment très intéressant. Pour parler du nombre de composants, on est sur 245 composants, donc c'est aussi là qu'on voit la beauté de l'horlogerie puisque du coup c'est l'assemblage de centaines de pièces qui sont du coup assemblées à la main. Ça, c'est toujours intéressant. On a 38 rubis et une réserve de marche garantie par Audemars Piguet de 45 heures. On passe chez la petite sœur de Rolex Tudor avec la Tudor Black Bay Chrono Blue qui vient de sortir. C'est un modèle exclusif boutique avec un somptueux cadran bleu. Cette montre est l'héritage des montres chronographes de plongée des années 70, s'inspire majoritairement par la Submariner Snowflakes et également l'Osterdate chronographe Monte Carlo. Elle mélange finition satinée et polie pour son boîtier et est munie d'une échelle tachymétrique fixe en aluminium bleu. Le calibre et manufacture, c'est le calibre MT5813 qui est un chronographe et qui est équipé de roues à colonne avec un embrayage qui est vertical. Sa réserve de marche est confortable puisqu'on est sur une réserve de marche de 70 heures, donc toujours très intéressant d'avoir un ressort de barillet assez conséquent et un mécanisme pas trop énergivore qui permet justement d'avoir une montre quand on la pose qui va continuer de fonctionner, et là en l'occurrence 70 heures. La montre est certifiée COSC, donc c'est le contrôle officiel des chronomètres suisses, donc elle a une tolérance journalière allant de moins 4 à plus 6 secondes. Au niveau des spécifications de cette Black Bay, on est sur une étanchéité allant jusqu'à 200 mètres, donc très très confortable. On est sur une couronne qui elle est vissée, donc on a une meilleure étanchéité. Comme toujours, on ne la présente plus, mais on a soit une couronne vissée en horlogerie qui demande un peu plus d'ingénierie, puisque du coup on doit faire un pas de vis, etc. On doit prendre plus de facteurs en compte et qui assure donc une meilleure étanchéité, où on peut faire appel à une couronne qui elle se déclipse, une couronne clipsée. Là en l'occurrence, évidemment, pour la manufacture Tudor, on est sur une couronne qui est vissée. Le boîtier quant à lui est en acier 316. Le bracelet est un bracelet 5 mailles avec le système T-Fit qui permet justement un micro ajustement rapide, ce qui justement évite de devoir enlever des maillons si le poignet grossit un petit peu par exemple avec la chaleur. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Et la montre est garantie, elle, par contre, pendant 5 ans. Allez, dernière actualité horlogère avant de se quitter, une petite actualité atypique, c'est l'Albatros qui a été annoncé par MBEE, qui est une maison que j'apprécie aussi, qui ont des designs atypiques et qui vont un petit peu repousser les limites du design en horlogerie et qui vont casser un petit peu les codes, qui ont du coup créé cet Albatros avec l'épée 1839. Donc c'est une création très atypique, très audacieuse. C'est justement une horloge inspirée de Jules Verne avec des hélices qui s'animent pour chaque heure. Personnellement, je trouvais l'objet très atypique, très intéressant. C'est vraiment aussi une beauté mécanique, mais qui peut aussi faire accessoire
de décoration chez soi pour les amoureux de belles mécaniques. C'est une horloge qui est très lourde, qui fait 17 kg et 60 cm de long et de haut, donc assez imposante. Et justement, vu que c'est des très belles pièces en acier, ça justifie justement ces 17 kg. Et c'est plus de 1520 composants qui sont imbriqués les uns dans les autres dans cette horloge, donc vraiment très intéressant. On est sur un double mouvement, un pour l'heure et la sonnerie, et l'autre pour les hélices. Donc c'est vraiment un chef-d'œuvre, j'ai vu quelques vidéos, c'est juste bluffant, donc je voulais justement te le partager, ça casse un petit peu les codes de ce qu'on peut voir. On n'est pas sur une montre classique, donc c'est toujours intéressant. On a une finition en laque translucide avec 5 couleurs, limité à seulement 8 exemplaires, donc il y a pas mal de couleurs. Je les ai vus aussi, c'est très très bien réussi. Ils sont arrivés à doser la chose pour que ça rende toujours très esthétique. On est vraiment sur un chef-d'œuvre combinant horlogerie, précision et automate. Donc voilà, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Moi par exemple, l'horloger avec qui je travaille, qui s'occupe du SAV de la marque que j'ai créé, monte aussi et est le seul horloger français qui monte les pendules Atmos pour Geiger LeCoultre. Donc c'est toujours intéressant ce genre d'accessoires qu'on peut mettre dans son salon. Toujours intéressant d'avoir des belles toquantes au poignet, d'avoir des remontoirs chez soi. Mais c'est aussi intéressant de pouvoir avoir des objets qui illustrent la passion qu'on a pour l'horlogerie. Donc je trouvais ça intéressant de vous le mettre à la fin de cette actualité horlogère. L'actualité horlogère de cette semaine se termine ici. J'espère que tu l'as apprécié. On le dit tous, mais n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à t'abonner. Partager pourquoi pas à des passionnés dans ton entourage cette vidéo pour qu'ils en apprennent un peu plus sur les sorties chaque semaine de nouvelles montres par les manufactures que l'on connaît tous. Bon, en tout cas, je me suis régalé à préparer cette actualité, à te la faire aujourd'hui. Donc, n'hésite pas à laisser ne serait-ce qu'un petit commentaire d'encouragement. Ça aide au référencement, ça récompense également le travail fourni pour cette actu. Moi, je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle actu. Salut!